caméléon. C'est un très grand professeur. Et si vous l'observez, vous verrez qu'est-ce que le caméléon. D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et qu'est-ce qu'il fait, le caméléon? Il ne tourne pas la tête, mais c'est l'œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez un caméléon, regardez, vous verrez, c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, regarde en bas. Ça veut dire, informez-vous, ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la Terre. Il y a toute l'ambiance autour de vous. Et le caméléon, quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et puis le savoir-vivre. C'est heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Donc, la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi, il existe. Et qu'est-ce qu'il fait, le caméléon? Quand il lève le pied, il balance pour savoir que si les deux pieds posés ne s'enfoncent pas, c'est après qu'il va déposer les deux autres. Et il balance encore, il lève. Ça s'appelle de la prudence dans la marche. Et sa queue est préhensible. Il l'accroche, il ne se déplace pas comme ça, il l'accroche. Pour que si le devant s'enfonce, qu'il reste suspendu. Ça s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas imprudent. Et qu'est-ce que le caméléon fait quand il voit une proie? Il ne se précipite pas là-dessus, mais il envoie sa langue. C'est sa langue qui va chercher la proie. Parce que ce n'est pas la petitesse de la proie qui dit qu'elle ne peut pas vous faire mourir. Alors donc, il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener la proie, il la ramène tranquillement. Sinon, il a toujours la ressource de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Donc, allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain.